pokere. Ma jumboum. Depuis longtemps. Ce que Branco a fait à Miss Moussandjoua. Séparez, séparez s'il vous plaît. Ma jumboum les coups de poing depuis longtemps. Pokere, pokere. Moi je sais pas. Il qualifie Branco d'illettré. Je sais que la signification d'illettré, c'est celui qui ne sait ni lire ni écrire. Pourtant, Franco sait lire et sait écrire et parle. Il dit qu'il est enseignant d'université. On a tabassé Miss Moussandjoua, on a endommagé son Jiangsang. Séparé. Le papa Jean-Paul a connu des dégâts. Vous savez que je suis malade, non? Eric Kwam regardait le coup de pied olympique. Atoum. Je vais te porter plainte, je vais te porter plainte. Braco dit, arrêtez, laissez-nous encore. Ça, c'était après l'émission. C'est lui, il poursuit Branco. Branco l'a nommé, Branco a endommagé son Jiangsang. Avec les coups de poing illettrés. Les coups de poing illettrés. Arrêtez. Ils sont allés jusqu'au marché. Les gars du marché disent, champion olympique, laisse-le. Vous voyez pas qu'on a chassé son frère, on l'a chassé. Là-bas, tu parlais, il y avait des gens. Maintenant encore. Quand Branco armé, le gars dit que je fuis, me chacha. Traitement adéquat. On a tabassé Miss Moussandjoua. Rien dedans. Il insulte Branco. Hein. C'est lui qui insulte, il insulte. On dit, on va laisser. Il dit, laissez-les. Regardez, on a poum. Regardez, mince. Le poivron de Fumban. Les pommes de Fumban. Arrêtez. Bonjour les enfants. C'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Bonjour Yo-Yo. Bienvenue à la clinique. Tu vois, Samuel, quand tu dois venir à la clinique, tu reviens. Dis-moi un peu, frère, est-ce que tu ambitionnes vraiment de fédérer le peuple camerounais autour du football? Est-ce que tu ambitionnes vraiment d'être ce président-là qui a réussi à unir le peuple camerounais autour du football, qui s'est servi du football pour que le football fasse ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire unir le peuple? Dis-moi, si tu ambitionnes de faire, comment tu vas fédérer le peuple camerounais en t'entourant des mecs comme celui-ci? Dis-moi un peu. Comment tu vas réussir à mobiliser le peuple camerounais au-delà de leur, par exemple, appartenance ethnique? Regarde comment ce bonhomme transpire le tribalisme. Regarde comment ce bonhomme transpire le tribalisme. La haine. Donc je te pose la question parce que je crois que je te présente souvent les problèmes sous des angles différents. Là, je veux vraiment aller au niveau questionnaire. Les enfants partagés. On parle d'un peuple là. On parle de cohésion sociale. On parle de union. On parle de nation. C'est beaucoup plus grand que les différentes choses. C'est important. Alors je vais lui reposer la question au docteur Dadis Camara et Samuel Eto'o. Comment vas-tu arriver à mobiliser les Camerounais au-delà de leurs appartenances ethniques? Comment vas-tu réussir à mobiliser les Camerounais au-delà de leurs différences en t'entourant de monsieur comme celui-ci? Tu es le président de l'Afrique à foot, bordel. Tu n'es pas le président d'une petite secte villageoise. Tu ne peux pas te permettre
Ce mec, je l'ai vu dans la vidéo, il était dans ton jet privé avec toi pour partir au match. Tu as légitimé ta proximité avec lui. Tu as légitimé tout ce qu'il dit avec sa bouche. Tu as pris à ton compte en disant « moi j'accepte ». Simplement en le mettant dans ton avion pour partir à Garoua. Pour ta communication, pour ton image, ce n'est pas une bonne chose. Tu n'as pas besoin de t'afficher avec ce type de personnage. Tu n'as pas besoin de t'afficher avec ce type de personnage, Samuel. Pour ton image, tu n'as pas besoin. Les gens ne doivent pas lutter en ton nom. Les Camerounais ne doivent pas se battre. Ne doivent pas se battre entre eux. Ils doivent se battre contre les autres, mais pas entre eux à ton nom. Et quelqu'un qui a encore quelques jours était intimement assis dans ton jet privé, vient vanter la violence au nom du président de la Fédération camerounaise de football. Le Cameroun, c'est plus grand que ça, frérot. Le Cameroun, c'est plus grand que ça, frérot. Crois-moi. Et ces bonhommes que tu vois là, je ne sais pas à quel moment tu te rends compte qu'ils te rendent service. Comment c'est que tu fais pour te dire, ah, il me rend quand même service, je le mets dans mon jet privé. À quel moment il est tellement important pour toi? Dans quoi est-ce qu'il dit avec sa bouche? Le rend tellement important pour toi au point où tu le mets dans ton jet privé, frère. Qu'est-ce qu'il fait? C'est important que tu répondes à ces questions pour que je comprenne. Qu'est-ce qu'il fait de particulier? Parce que tout ce qu'il fait, c'est qu'il insulte. Il gueule sa haine des gens. Il vomit des insanités. Qu'est-ce qu'il fait qui est bénéfique à l'exécutif de la FECAFOOT actuelle pour que le président le récompense et le rehausse de sa haute personnalité en le portant dans son jet privé? À quoi il te sert? Parce que moi, je vois qu'il te dessert. Frérot, moi, je vois qu'il te dessert. Il salit ton image. Même si c'est ton ami, même si c'est tellement ton ami, il y a des gens qu'on n'assume pas. Il y a des gens qu'on n'assume pas. Il y a des gens qu'on connaît, mais qu'on n'assume pas. Il y a les filles de la nuit, les filles de 3h du matin. Il y a les mecs de 4h, les mecs de... Ta fille ne le voit qu'à 3h du matin. Il y a des gens qu'on n'assume pas. Surtout quand on a le rang de président de la Fédération camerounaise de football. C'est pas un rang, c'est pas un poste, c'est un poste national, frérot. Comment vas-tu réussir à fédérer le peuple camerounais en t'entourant des gens aussi clivants? Ça va être difficile. Tu vois, là, on se prépare à aller à la Coupe d'Afrique, frère. Il y a plein de choses qu'il faut faire. Tu dois amener un peuple uni à Abidjan, frère. Tu dois amener un peuple uni. Il faut que tu travailles dans ce sens-là. Il faut que ce clivage, tu réussisses à trouver un moyen. La force à l'intérieur de toi, la force de l'humilité à l'intérieur de toi, frérot. Pour que tu réussisses à partir avec un peuple uni, malgré les douleurs, malgré les souffrances. Ne te vante pas de... Tu ne peux pas être... vouloir protéger le football d'une partie des Camerounais. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Un poste de président de la Fédération nationale camerounaise de football. Non, on se dépasse. Et se dépasser, c'est que même quand on est l'ami de quelqu'un comme celui-ci, si tu, il doit partir avec toi à Garoua, tu ne le mets pas dans ton jet privé, frère. Tu le mets dans le train. Ou dans la... Dans le, il y a les bus touristiques là, non, cousin? Ah, qu'est-ce qu'il y a même avec toi, frère? Il y a les bus touristiques là, non? Tu le mets dans le touristique. Tu le mets dans le touristique, il va pas, ça va l'au-delà. Il part 2 jours avant. Il arrive.
Mais tu n'es pas avec lui nulle part. Mais tu n'es pas avec lui nulle part, cousin. Tu le mets dans le touristique. Il vient dans la chambre là-bas et tout. Tu lui dis que Molan, garde ton portable. Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu veuilles l'assumer en public? Regarde comment il se comporte. Regarde ce qu'il dit avec sa bouche. Chaque fois, il te salit. Et tu en es responsable. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que « Oh, je me désolidarise de... » Non, tu vois, c'est une partie de ton être. Parce que c'est ce qu'il dit là. T'es dégoûté, tu dirais que toi, je ne peux pas m'afficher avec toi. Parce que ce qu'il dit ne te dégoûte pas. Ce qu'il dit ne te dégoûte pas. Pourquoi ce qu'il dit ne te dégoûte pas, frère? Pourquoi ça ne te dégoûte pas? Pourquoi ça ne te donne pas envie de gerber? Pourquoi ça ne te dégoûte pas? Tu as plus de classe que ça. Pourquoi ce qu'il dit là ne te donne pas les boutons? Tu dis non, je ne veux plus voir. Pourquoi ça ne te dégoûte pas? Pourquoi tu aimes ça? Seigneur. Non, frère. C'est toi, Samuel, Barcelone, Inter, Real, machin truc. Regarde le bonhomme. Regarde le bonhomme. Regarde le bonhomme, frérot. Ah! Putain, frère. Regarde le bonhomme. Regarde ce qu'il vomit. Il risque quoi? Rien. Mais il ne doit pas être proche de notre fédération camerounaise de football. Et être proche de notre président, c'est être proche de notre fédération. Notre fédération ne peut pas s'encombrer d'un tribaliste notoire. Non, frérot. Non, il ne faut pas l'accepter. Et c'est ton rôle aussi. La protection de l'éthique. Ça, ce n'est pas éthique. Quand tu t'affiches avec lui, tu t'affiches avec ce qui n'est pas l'éthique. Est-ce que tu comprends même ce que je suis en train de te dire? Allez, je sais qu'aujourd'hui, j'ai réveillé la bande en bas. Ils vont débarquer, évidemment, pauvre de vous. Continuez de lui faire le bruit dans les oreilles. OK? Continuez de lui faire le bruit dans les oreilles. Il aime ça. Il aime ça. Ça lui permet de ne pas s'améliorer. Ça lui permet de ne pas se questionner sur ses capacités, sur ses moyens. Continuez de lui mettre le bruit dans les oreilles. Hein? Il adore ça. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée. C'était papa.